Faut qu'on aille ici, sachant que nous on est où? On est là-haut. Très bien. Donc c'est simple, c'est je prends à gauche et au bout je prends les escaliers. Ça devrait être simple. Ça devrait. Taïo. Voilà. Donc éliminer les gardes. Ouais. Oui, c'est bien ce que je me disais que... Bon, peut-être pas trop apprécié. C'est peut-être pour ça que je m'en souviens d'un truc comme à feu et à sang. Comment je pourrais faire? Un petit peu violent là. Qu'est-ce que tu fais si jamais je reste? Bon, ok, d'accord, tu t'énerves vraiment. C'est bon, je me casse. T'as gagné. Ok. Donc ceci dit, quand il se casse, il fait demi-tour. Donc il me tourne le dos. Donc techniquement, si jamais j'arrive à bien me synchroniser avec l'autre, je fais genre pop 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 pop. Voilà. Là. Ou alors. Ah, est-ce que je peux y aller par les toits? Testons. Hop, il s'est rien passé. On va voir. On va voir si ça passe. Tant pis. Voilà. Bon, tout en discrétion, hein, encore une fois, mais là j'avais pas trop d'idées et surtout j'avais pas trop envie d'utiliser des augmentations supplémentaires pour juste cette partie-là. Alors, pourquoi est-ce qu'ils me disent d'aller en haut? Oui, mais c'est pas ça. Là, en fait, on en revient. Non, on en revient à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Oui, ok, d'accord, j'ai compris. Trop con. Voilà, toi, viens avec moi. Voilà, tu resteras là. Et toi, viens avec moi. Hop, tu vas là-bas. J'ai dit, tu vas là-bas. Voilà. Alors, où est-ce que t'es? Tu es là. Très bien. Piraton, piraton. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par ici. Par ici. Vas-y, éclate-toi maintenant. Hop là. Access granted. T'as vu un peu cette discrétion de folie? Bonjour. Who are you? Your friend May sent me. She said you were in trouble. Are you hurt? May. Thank God. And no, I'm fine. They didn't touch me. Not yet anyway.
You hadn't come though. How did you find me? I asked around. I can be persuasive. I have to get out of here. You sure you're okay? Can you leave here on your own? Yes. I... thank you. Whoever you are, thank you so much. I need to go. I need to get out of this city. I need to get away from that monster, Chan. Tell me. Tell her. Thank you. For everything. I owe her. I owe you both my life. Ok. Bien. Donc là, est-ce qu'il y a des trucs que moi je pourrais récupérer ? Non, j'ai pas l'impression. Bon. On va le refermer ça ? Non. Ça m'aurait fait délirer de mettre les corps dans le garage et de refermer ensuite. Bien. Donc faut que je retourne voir May. Ici, qu'est-ce qu'il y avait ? Est-ce que j'aurais pas loupé des trucs sur ma mission, genre mission à quête secondaire ? Ouais, non. Très très bien. Hop. Can't you see we're having a private... Hey, America. Ouh, ça ramouille un peu. Tac, tac. Donc ici, c'est l'entrée de l'hôtel. Et ben, on va aller vite fait parler à May. J'avais déjà ouvert. J'avais même piraté ce qui était à l'intérieur. Hop là. Je suis allé trop haut. Non, c'est bien ici, c'est bien ici. Salut. Ning, did you find her? I did. She's safe, but running. I think she plans on leaving the city. She always is a smart girl. I'm glad. I will contact her to make sure she is safe. As promised, here's your payment. If you want more, I have another task. Something suitable for a man of your many talents. Are you interested? My interest would depend on the task. By now, I'm sure you heard of Diamond Chan. He is evil man who feeds off the pain and misery of this city. Épargne-moi les violons. We have to stay in peace here. He must be taken care of. You want me to kill Chan? Yes, but you must make it look like an accident or suicide. What kind of payment is involved? Double what I gave you for rescuing Ning, if you make certain we are rid of Chan for good. What is it exactly you want me to do? Lower Hansa is a dangerous place. I know Diamond Chan stay at an apartment near a rooftop. Knock him out, then drop his body into the alley below. Gravity will do the rest. Ouais, je trouve aussi que le décolleté est un petit peu abusé, mais en même temps, c'est son métier d'être à poil, donc Chan is gone, what will you do? Won't some other drug lord turned pimp take advantage of your vulnerability? I know someone who recently started his own security company. I will hire them to protect us. It should be more than enough, and I can trust them. Why does his death need to look like a suicide? I've made threats against Chan in the past. Because you helped Ning, if anything happens to Chan now, his harvester friends will think we are responsible. I do not want that to happen. Après, en même temps, si le gars était pas spécialement suicidaire de base... He's a monster. At first, he forced my girls to take drugs until they be addicted. It made them easy to control and dependent on him. But now, with cheap black market augmentations and customers with augmentation fantasies,
It is even worse. The leashing you spoke of earlier. Yes. In order to squeeze more milk from his cows, he butchers them. The augments are just another form of control. The girls can always be tracked, and the need for neuropathy means they will not run away. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen? There has to be another way to remove Chan from the picture without resorting to murder. There is. I have access to certain stimulants. If Chan was caught with them, he would no longer be a problem. Là, c'est plus ma façon de faire. Meaning I could plant drugs on him. Not on him. Somewhere in his apartment will be enough. He may be there, though. So knock him out, leave the drug, and come back here to me. I have a friend. He works with the police. I'll contact him and he'll make sure Chan is arrested. Ouais, I'll mais le problème, c'est que si jamais on lui met pas un décolleté de ouf, on comprend pas que c'est une pute, parce que le joueur moyen est un petit peu con. Lower Hansai is a dangerous place. Simply knock Chan out, then drop his body into the alley below. Gravity will do. Il faut qu'on justifie le rating du jeu. Take these drugs. Plant them somewhere in his apartment after you've knocked him out. When you are done, return to me and I will contact my friend in the police. He will do the rest. Anything else I should know? Chan should be alone. He is too proud to have bodyguards around. But be careful. Even alone, Chan is dangerous. Got it. Mr. Jensen, remember not to cause any wounds on Diamond Chan that make it look like murder. Any suspicion will bring us more trouble from his friends. So no tranquilizers or peps, which means strictly hand-to-hand submission shouldn't be a problem. That is good, yes. Good luck, Mr. Jensen. I will wait here. Très bien. Mission 2 engagée. C'est pas par là. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille exactement? Parce que là, je vais peut-être pas y aller le nez en l'air. Raté, voilà. Donc, ah mais oui, d'accord, bon. On va d'abord sortir de l'hôtel. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir une map juste pour l'hôtel? Parce que un simple escalier en colimaçon, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt d'en faire une map. Ok. Back on tracks. Est-ce que là il y a un truc que je peux faire, genre ça? Hey. Oh, il y a même un coffre. Il y a même un coffre. Tac, tac, tac. Hop là. On va sauvegarder avant de se faire repérer. Ça a l'air bon. Ok. Alors. On prend. Access granted. Ok. Ouf. Juste des sous, c'est tout. Un peu naze. Bon, c'est un coffre de marchand en même temps, c'est un peu logique qu'il n'y ait que des sous dedans. Pillons les arrière-boutiques. Voilà, hop, par ici, qu'est-ce qu'on a? Plus de crédit. Hop. On va continuer un petit peu à fouiller la ville hein, avant d'aller tataner la gueule du méchant. Hop. Ok. Là on arrive sur le toit. Ouais c'est ça. Il y a par là.
Typiquement le genre de KGB où j'aurais mis plein de trucs moi. Bon, tant pis. Là, y a rien. Là, y a rien. Ok. Pop. Là, ça s'ouvre pas. Et ça, c'est un autre district. Alors. Hop, c'est ici. Et c'est à quel endroit que je dois aller? Pas très très parlant. C'est à Yuza aussi. Yuza où? C'est où? Ah c'est ça, c'est dans le quartier de Yuza. Bon ben, du coup, hop, let's go. Alors, là, on peut pas y aller. Là, c'est des boîtes aux lettres. Ici, ça se pirate pas. Mais c'est honteux. Bon. Ça se pirate pas, fuck off. Ah, là ça se pirate. Bon, niveau 1, si là j'y arrive pas, je rends mon tablier. Un niveau 1 et ça commence par du niveau 3, non mais sérieux quoi. Allez hop. Si jamais avec ça dans la face, j'ai quasiment une minute pour tout faire là. Voilà. Et peut-être pas déconner quand même. Alors. Là. Si jamais je me fais repérer, les gens seront pas contents, donc on va éviter de courir. Ah ah, il y a des sous là. Vous voyez que je les vois pas, mais je les vois. Ça, ça me donne de l'XP. Il y a des sous. Oh là là, mais c'est la caverne d'Ali Baba cet appartement. Hop. Histoire de pas être dérangé. Bon, niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon bah de toute manière on n'a pas le choix, on commence ici, ensuite on fait ça là, puis ici. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Access granted. Qu'est-ce qu'on a? Fusil de précision, je m'en fiche. Super. Bon. C'était un peu nul. C'était un peu nul. Et... Bon, on va y voir un peu la carte. Donc, on est au bon étage, mais pas sur le bon toit. Faudrait que j'aille sur ma droite. Donc, par là-bas. Yeah. Et bon. What do you think of Lower City? Most medical live here. Low renting houses, especially at the
Est-ce que je peux pirater sans que je me fasse emmerder? C'est bon, c'est bon. Bon bah on va entamer par la droite, hein, tranquillement. Sérieux? Hein? Pourquoi il s'est arrêté? J'ai claqué un virus? Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, je crois que j'ai dû ripper sur le bouton pour claquer un virus. Bon, tant pis. Alors. À mon avis, depuis cet appartement, je vais pouvoir accéder à l'appartement de l'autre. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Un avion qui passe. Hop. Ah mais il est même pas piratable, c'est directos. Bon, ok. Ouais. Non, même pas je me fais repérer. Ah oui, non, mais en fait, c'est pas l'appartement de l'autre, ça va. Donc c'est bien ce que je disais depuis la salle de bain, là. Non, on peut pas y accéder. Tristesse. Ça sert à rien, cet appart. La vache, 50 degrés. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait chaud. Ouais, il est vraiment pas content. Donc là il me tourne le dos, c'est le moment. Bonjour. Allez, fais dodo, va. On va faire genre, tu étais... Alors, ne reste pas comme ça. Non, tu veux pas aller sur ton lit? Voilà. T'étais tellement bourré que tu t'es couché à l'envers. Voilà. Tac. Où est-ce qu'on va mettre la drogue? Non, on s'en fiche. Ah oui. Voilà. En toute simplicité. Qu'est-ce qu'il y a par là? Enfin, pour un baron de la pègre, il est pas très armé. Ok. Maintenant, faut que je reparte. Sans mourir. Voilà. Et ça, c'est pas gagné quand on est sur des toits. C'est pas gagné quand on est sur des toits et c'est pas gagné quand on sait pas se repérer. Alors.
Il faut que je monte. Alors attends. Je vais arriver par ici, voilà. Voilà.